Bonjour à tous et à toutes et comme d'habitude, bienvenue à vous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons de grandes nouvelles concernant le monde de la crypto-monnaie. Ethereum est en train de subir une mise à niveau majeure et c'est l'un des changements les plus importants depuis très longtemps. Cette mise à niveau appelée Denkun est un véritable game changer, surtout sur les frais de transition sur le Layer 2. Mais avant de poursuivre cette vidéo, prenez quelques secondes afin de vous abonner à la chaîne, likez la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, retrouvons-nous pour la suite. Qu'est-ce que c'est que les blobs? Eh bien, les blobs font partie de la mise à niveau prévue pour la deuxième semaine de mars. Ils ont complètement transformé le fonctionnement d'Ethereum. Il y a une chose super intéressante à prendre en compte par rapport à cette mise à niveau, c'est qu'elle est censée réduire considérablement les frais d'Ethereum sur Layer 2 jusqu'à 60%. Exactement, 60%. Et ces informations proviennent des dernières prédictions du fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin. Ce n'est pas seulement une bonne nouvelle pour Ethereum, mais c'est un game changer pour tout ce qui est lié à Ethereum. D'autres réseaux layers tels que Arbitrum, Starknet vont également bénéficier de cette réduction énorme de frais. Donc, si vous êtes dans la crypto-monnaie ou si vous envisagez vous lancer dans ce domaine, gardez un œil sur ces blobs et la mise à niveau d'Denkun, car c'est très important. Préparez-vous pour encore plus de bonnes nouvelles, car le réseau principal d'Ethereum Layer 1 est également en fait avec cette mise à niveau, étant donné que le nombre de participants sur le réseau principal va diminuer considérablement, donnant ainsi une réduction sur les frais de transfert sur la chaîne principale. Avec moins d'utilisateurs, il y aura plus d'espace pour des frais moins élevés et c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Ethereum. Cette mise à niveau est un moment extraordinaire pour la blockchain Ethereum. Elle va faire taire toutes les critiques concernant Ethereum et l'attention se portera davantage sur le Layer 2, permettant ainsi à la chaîne principale d'Ethereum de fonctionner de manière indépendante. Il s'agit d'une mise à niveau majeure qui place Ethereum sur la voie pour devenir le réseau le plus rapide et le moins cher, surtout avec le passage à la preuve d'enjeu. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous et préparez-vous pour faire des holds. Tenez vos cryptos fermement car ça va vraiment bouger. Et la partie super intéressante, c'est que ce n'est que la deuxième étape pour améliorer le réseau Ethereum. Préparez-vous donc pour des révolutions incroyables. L'une d'elles est l'introduction de proto-donk sharding qui avait été suggéré dans la proposition d'amélioration d'Ethereum 4844. Vous vous demandez certainement ce que c'est. Eh bien, c'est une méthode suggérée par les développeurs pour améliorer les layettés d'Ethereum et le rendre beaucoup plus efficace et moins cher. Maintenant, pourquoi devez-vous vous en préoccuper? Parce que vous aimez tous payer des frais beaucoup moins élevés. Proto-donk sharding s'attaque donc aux défaillances actuelles et à la lourdeur causée par Layer 2 qui encombre la chaîne principale. Il s'agit d'une innovation majeure qui relie des blocs de données avec une date limite. Au lieu de saturer la chaîne principale d'Ethereum, ces blocs sont supprimés après un certain temps. Cela réduit ainsi la saturation du réseau et améliore l'efficacité de celui-ci. La partie intéressante, c'est que les blocs vont remplacer les données habituelles utilisées pour interagir avec Ethereum. Cette mise à niveau est donc comme donner à Ethereum un souffle frais, permettant ainsi des transactions plus fluides et plus rapides. Tenez-vous bien, car l'impact de proto-donk sharding va encore plus loin. Puisque ces données dépendent moins de la chaîne Ethereum et davantage de l'efficacité des blobs, les coûts de transaction sur le Layer 2 sont sur le point de chuter. Les prédictions sur les marchés vont même jusqu'à 60% de réduction des frais, ce qui est juste incroyable. Mais ce n'est pas que ça. Ce système va également envoyer moins d'informations vers Ethereum, ce qui signifie que le nombre de transactions possibles va augmenter de façon spectaculaire. Prenons Arbitrum comme exemple. Actuellement, il fonctionne à 6,2 transactions par seconde. Mais lorsque Proto-donk sharding sera lancé, Arbitrum aura le pouvoir d'atteindre un nombre stupéfiant de 100 000 transactions par seconde. Comparons cela avec Solana qui fonctionne actuellement à 2600 transactions par seconde. Solana a FireDancer en préparation et vise 1,2 million de transactions par seconde. C'est une concurrence sérieuse. Mais Proto-donk sharding
rend Arbitrum plus rapide que Solana. Et devinez quoi? Cette mise à niveau d'Ethereum vaut la vedette même avant l'entrée en place de Firedance. Et ce n'est pas seulement Arbitrum, mais chaque Reloop et sa chaîne d'Ethereum va maintenant bénéficier de cette vitesse ultra rapide. Starknet, Linea, Scroll et bien plus encore. Toutefois, soyons réalistes, aucun réseau n'atteint réellement les 5000 transactions par seconde pour le moment. Tout est totalement théorique, mais Ethereum pourrait rendre cela possible pour la toute première fois, défiant même les chiffres incroyables de Solana avec Firedance. Mais en tant que deuxième plus grand blockchain et foyer des applications décentralisées les plus utilisées, cette mise à niveau sur Ethereum est une grande affaire. Bien sûr, ce n'est pas aussi simple qu'appuyer sur un bouton et s'attendre à un résultat immédiat. Cette mise à niveau a été rigoureusement testée depuis longtemps, commençant par GoEarly, le texte actif le plus ancien d'Ethereum. Les développeurs ont déployé la première mise à niveau d'Encoun en janvier dernier, prouvant qu'ils sont très sérieux. La communauté Ethereum s'améliore chaque jour et nous sommes en train d'assister à des changements juste révolutionnaires. La mise à niveau d'Encoun est en préparation depuis très très longtemps. Les projets lancés sur GoEarly ont connu un pouce immédiat et c'est pourquoi les marchés annoncent une prédiction d'une réduction de frais de plus de 60%. Mais cela ne concernait que la mise à niveau de la chaîne principale. Maintenant, c'est le moment de la lancer sur les réseaux testnet d'Ethereum. Ethereum prend donc cela au sérieux et c'est pour une bonne raison, car des milliards de dollars sont en jeu et ils ne peuvent pas se permettre de faire d'erreur. Ils sont passés au testnet Oleski le mois dernier. Ces réseaux ont reçu une mise à niveau d'Encoun et tout se déroule bien jusqu'à présent. Cela signifie que les blocs sont opérationnels depuis le début de l'année. Mais voici le truc, seuls ceux qui participent activement au testnet ont pu bénéficier de toutes ces nouvelles améliorations de la technologie Ethereum. Et c'est pour une bonne raison. Chaque mise à niveau peut potentiellement causer des ravages sur le réseau si elle n'est pas correctement testée. Imaginez tout ce qui se passe actuellement sur Ethereum comme étant une voiture qui roule à 500 km/h et change constamment de moteur. C'est quelque chose de délicat, mais Ethereum parvient à le faire. Cette phase de test est comme une partie cruciale de l'amélioration de la technologie Ethereum. Maintenant, après le lancement réussi de Encoun sur les trois testnets, la date de lancement du réseau Encoun avait été prévue pour le 10 mars. Alors que nous observons l'enthousiasme autour des blobs, considéré comme étant la star de la mise à niveau d'Encoun, il y a plus à considérer. Encoun apporte des changements distincts et très importants à Ethereum. Observons certaines de ces améliorations clés. Tout d'abord, nous avons la proposition d'amélioration 6780 qui permet de nettoyer les bases de données inutiles. Ensuite, nous avons le IP5656 permettant aux développeurs de copier les mémoires d'un endroit à un autre, contribuant ainsi à la création de structures de données plus fiables. La proposition d'amélioration 7044 se concentre sur l'amélioration de l'expérience utilisateur post-équipe, en particulier pour l'utilisateur de staking délégué comme Leo Finance. L'IP4788 place le routeur de blocs de la blockchain Ethereum directement dans la couche d'exécution, donnant essentiellement à Ethereum un oracle intégré au niveau de base. La proposition d'amélioration 7514 modifie la politique monétaire d'Ethereum et permet ainsi une croissance incroyable de l'ETH. Protodon Sharding et les blobs attirent donc également l'attention des médias, car c'est probablement la partie la plus excitante. Mais c'est la combinaison de tous les changements cités plus haut qui fait de Encoun l'une des mises à niveau les plus importantes d'Ethereum à ce jour. Cette mise à niveau est donc considérée comme l'une des plus cruciales pour Ethereum. Malgré la détention du plus grand nombre d'applications décentralisées, Ethereum est à la traîne en termes de transactions, pas parce qu'il est lent ou parce qu'il manque de liquidité, mais c'est simplement parce que les frais sont énormes. En réalité, tous les utilisateurs de crypto-monnaies ne sont pas là depuis le début. Il y a de nouveaux utilisateurs qui sont découragés lorsqu'ils voient les coûts exorbitants d'un échange de NFT sur Ethereum. Cependant, la mise à niveau d'Encoun change toute la donne. Elle rendra Ethereum beaucoup plus accessible aux nouveaux utilisateurs, leur permettant de profiter des avantages que les anciens utilisateurs disposent déjà. Il s'agit donc de rendre Ethereum beaucoup plus vif, convivial et rentable. Goldman Sachs reconnaît déjà la mise à niveau d'Encoun comme étant une étape incroyable vers un futur radieux. Cela soulève une question essentielle sur le devenir des réseaux comme Celestia qui avait pour objectif principal de réaliser des transactions beaucoup plus rapides sur la blockchain Ethereum. Imaginons que toutes ces nouvelles technologies
qui sont actuellement incroyables deviennent basiques de telle sorte que tout le monde puisse les utiliser facilement. La question qui se pose, c'est ces nouvelles technologies auront-elles toujours de la valeur? Seul le temps pourra nous donner une réponse définitive à ces préoccupations. Mais néanmoins, c'est une très grande étape pour Ethereum, car les frais de Layer 2 vont subir une chute en très peu de temps, ce qui est une grande victoire pour Ethereum. Layer 2 d'Ethereum devient donc plus compétitif et la chaîne principale d'Ethereum devient indépendante et bénéficie des blobs et de la réduction des frais des utilisateurs sur le réseau. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mais si vous ne comprenez rien au fonctionnement des marchés des crypto-monnaies, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour accéder à notre formation en crypto-monnaie. Nous vous y apprendrons de la façon la plus simple ce que c'est que les crypto-monnaies et surtout comment gagner un revenu avec une minimisation de risque. Sur ce, en attendant notre prochaine vidéo, likez et gardez le sourire.